présence de rats à Paris, des rats qui traînent dans les rues, d'ailleurs ils ont mis des pièges, tout ça. Oui, bonne question déjà. Je suis citoyen parisien, voilà, et pour moi c'est vraiment de n'importe quoi. Je préfère dire le mot, excusez-moi, je m'excuse auprès de la mère que je connais bien déjà. Voilà, moi je pense qu'il faut trouver une solution à cela. Ouais. Parce que quand on dit Paris, le monde entier aime Paris. Les touristes, tout le monde veut connaître Paris. Il y a des gens qui rêvent à venir à Paris. Mais voir qu'il y a des rats par-ci, par-là, c'est du n'importe quoi. Parce que moi, je peux comprendre. Moi, j'habite juste à côté ici. Je viens souvent, je suis ici, je vois des rats qui traînent de partout. Pour moi, c'est du n'importe quoi. Il faut trouver une solution à cela. Il faut qu'il n'y ait plus de rats qui traînent un peu partout. Alors, une question. Oui. Là, par exemple, vous êtes en train de pique-niquer. Quand vous allez repartir, parce que les rats se nourrissent des déchets, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, alors moi, dans mon système, avec mes amis, sachant que je suis citoyen de Paris et mon objectif, c'est de protéger, c'est de permettre qu'il y ait l'insalubrité à Paris. Et du coup, j'ai un sac là que j'utilise comme poubelle où je range mes déchets. Avec mes amis, j'ai demandé à ce que rien ne traîne. Et donc, j'invite tout le monde à faire autant. Même quand on n'a pas une poubelle, il faut créer une poubelle. Parce que Paris, ce n'est pas un dépotoir. Merci beaucoup. Voilà. Super. Merci bien. Génial. Top.